Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Praetorians Gaming. On est reparti pour la construction de notre vaisseau, donc j'espère que dans cet épisode déjà la tournure du vaisseau sera pratiquement finie. Espérons-le. Donc il y aura pas mal d'accélérés encore à vous faire hein, parce que ça va prendre du temps tout ça, mine de rien. Donc là j'ai prolongé un petit peu le cockpit et je pense que je vais faire un petit peu de fenêtres par là, sur les côtés quoi, pour pouvoir voir un petit peu dans l'espace. Ça pourrait être sympa, avoir un espèce de couloir avant d'arriver au cockpit, comme ça. Il va me falloir aussi des coffres de stockage, également. Donc peut-être que je vais les faire ici. Alors les gros coffres... Ouais, c'est ceux-là qui sont vraiment les plus gros, ok. Si je les mets ici... Comme ça, on pourrait stocker l'hydrogène directement dedans, en fait. On aurait deux conteneurs comme ça pour stocker l'hydrogène. Donc je pense qu'on aurait ce qu'il faut. Ça contient 156 000 litres. Donc x2, on aurait à peu près du 300 000 litres. À l'intérieur, plus les cuves qui contiennent 15 000 litres d'hydrogène. Donc comme ça, une fois dans l'espace, on ne sera pas à court d'hydrogène. Par contre, à l'arrière, ça va vraiment peser, je pense. Il va falloir beaucoup de propulseurs. Parce que vraiment, ça va être à l'arrière que ça va peser le plus lourd, je pense. Avec tout l'hydrogène de stocké, les deux coffres, quand ils seront remplis, on ira refaire le plein d'hydrogène, de toute façon, là-bas. On a tellement de glace là-bas de récolter. Donc ça sera pas vraiment un problème. Donc bah, c'est parti, on va continuer la construction. Je pense que je vais vous faire ça en accéléré, sinon ça va vraiment être très très long pour vous. Donc je vous dis à tout de suite quand le vaisseau est terminé. Et bon visionnage à tous, à tout de suite.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Girls with their nails done.
girls with their nails done now. Girls with their nails done.
Alors voilà, j'ai bien progressé sur le vaisseau, comme vous pouvez voir. Donc j'ai changé hein, pour le cockpit, là, ça me convenait pas en fait avec les escaliers et tout ça. C'était vraiment moche. Donc on va le remettre droit comme ça, je pense que ça va être aussi bien. On va essayer de se faire un cockpit hermétique. Donc voilà un petit peu l'aperçu du vaisseau. Donc là le toit, je pense qu'on n'est pas trop mal. On voyait les tuyaux sinon qui étaient apparents, donc j'ai dû rajouter une coque supplémentaire. Donc il y a beaucoup de protection, hein. C'est du blindage lourd en plus. Donc l'ennemi aura vraiment du mal à percer pour attaquer les générateurs d'hydrogène. Il faudrait qu'ils se mettent à l'arrière du vaisseau pour pouvoir attaquer les cuves à hydrogène. C'est là que c'est vraiment l'endroit le plus fragile. Sinon sur les côtés, là c'est quasiment impossible de percer ça. Et là c'est l'endroit aussi qui est très fragile pour les propulseurs ici, pour pouvoir décoller. Donc on n'a pas vraiment le choix. J'espère qu'on aura assez de propulsion pour pouvoir décoller et sortir de la planète. Donc pour l'instant, on peut se stabiliser avec cela seulement en atmosphérique. Et après, quand on sera dans l'espace, on n'aura pas le choix. On pourra utiliser uniquement les propulseurs d'hydrogène. Donc j'ai mis toutes les directions pour l'hydrogène en tout cas. Donc le problème est réglé. On pourra tourner à droite, à gauche, décoller et freiner également. On a 3 quand même là ici. Donc ça fait 6 à l'avant, plus j'en ai rajouté pour freiner ici. Donc ça en fait 4 à l'arrière. Franchement, pour freiner, je pense qu'on est bien. Pour avancer, j'ai encore ces 3 là également. Là, j'en ai encore 3 petits. Voilà, ça fait 6 comme ça à chaque fois. Et on en a encore 3 ici pour avancer, donc ça fait 6 encore à l'avant. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal pour voir décoller. Logiquement, le vaisseau est pas mal. Alors à l'arrière, il est pas mal le design. J'aime bien l'arrière. Je vais essayer de m'améliorer en faisant des constructions un petit peu plus classe. Pour commencer, on va faire comme ça. Donc je vais progresser doucement mais sûrement en faisant des formes un petit peu plus avancées, on va dire. Parce que là, trop cubique, c'est pas beau, hein, comme vous pouvez voir sur Empyrion. Donc voilà, je vais essayer de m'améliorer dans le mode créatif comme ça. Ça permet en tout cas de voir comment les blocs, les placer, tout ça. C'est pas mal le mode créatif au final avec ça. On a les connecteurs ici en haut. Tout est relié avec les tubes de convoyeur. Donc il va nous falloir des systèmes de ventilation. On a pas mal de choses à faire. Donc il reste encore la ventilation à poser. Le stockage, alors je pense qu'on est vraiment tranquille avec 2 gros coffres comme ça. Je pense qu'on va être tranquille. Au pire, on pourra en remettre un petit peu là, des coffres moyens ici, ou même carrément un gros, pour pouvoir stocker un petit peu tout le bordel qu'on aura. Là, ce serait plus pour faire le plein d'hydrogène en fait, pour avoir un stockage pour le vaisseau. Donc il reste encore le O2H2 à poser, le petit kit de survie également. Il va falloir le poser probablement sur un gros coffre. Comme ça, ça sera pris automatiquement avec le minerai, il sera traité. Ça prendra directement dans le coffre et au moins on pourra déjà faire un petit peu de fer dans l'espace pour pouvoir se créer une petite base dans l'espace. Donc les propulseurs pour pouvoir atterrir, je les ai mis comme ça. Je pense pouvoir équiper des panneaux solaires sur le vaisseau, histoire qu'il puisse se recharger un petit peu pour les batteries. Et par contre, ce que j'ai pas fait, j'ai pas mis de tourelle de défense sur le vaisseau. Donc peut-être que je vais les mettre là, après tout. Ils vont servir à ça, les gros cubes ici. Parce qu'il faut savoir que les munitions, ils peuvent être utilisés que sur les gros convoyeurs, je crois. Il me semble me souvenir de ça. Donc si on veut mettre des tourelles, c'est vraiment sur les gros coffres comme ça qu'on pourra les placer. Et ça sera rechargé automatiquement via le système de convoyeur. On pourra essayer peut-être avec les petits tubes de convoyeur, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc voilà, on verra ça ensemble. Donc voilà pour cet épisode. Je pense qu'on a bien avancé quand même sur le vaisseau. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc j'essaierai de finir le design hors caméra, bien sûr. Faire tout le long comme ça du vaisseau. Ça prend un temps fou pour tourner le bloc. La symétrie, ça marche pas. J'ai essayé avec N, ça marchait pas. Donc je sais pas comment faut faire en fait avec la symétrie. Empyrion, je sais, mais là, sur Space Engineers, j'arrive pas.
pour la symétrie du vaisseau. Sinon, on gagnerait beaucoup plus de temps. On ferait qu'une moitié en fait du vaisseau et l'autre côté, ce serait construit également comme dans Empyrion en fait. Hein. On passerait beaucoup moins de temps à faire ça. Bah, si la symétrie marchait, impeccable, ça serait vraiment nickel ça. Malheureusement, ça marche pas. J'ai pas compris le système en tout cas. Donc si quelqu'un sait dans les commentaires comment utiliser la symétrie, je suis preneur. Parce que là, j'ai beau appuyer sur N et au final, ça construit pas en symétrie. Ouais. Voilà, j'ai beau poser des blocs, ça fait rien du tout. Donc voilà, si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne, ça serait vraiment sympa de votre part. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne. C'était Praetorians Gaming. Je vous dis à bientôt. Bye bye.